Les Yikan qu'on recherche, c'est deux d'entre eux. C'est n'importe quoi, tout ça, c'est des conneries. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes totalement matrixé. On est là pour l'anniversaire de l'autre connard, et parmi nous, il y a quelqu'un qui s'amuse à nous faire peur avec des effets spéciaux ou des attrape-couillons. Vous êtes là, vous tous là, vous y croyez? N'importe quoi. Putain, quoi? Rien. Pourquoi t'es sur la défense? Tu regardes mal, c'est pas ton problème. Non mais James, arrête. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux là? Vous êtes vraiment bizarre. Non mais de quoi tu parles franchement Arrête. Déjà lors de la mort d'Alexis, quand on a découvert son cadavre, tous les deux vous étiez pas là, vous étiez hors du salon. Et ça fait des jours que tu me calcules plus, je sais même pas pourquoi. Et vous êtes toujours... Par deux. Vous êtes toujours ensemble. Les licans sont toujours par deux. Aurélie, il y a un problème avec Dimitri? Réponds. Non. Eh, c'est bon, on s'est embrassé. On avait trop bu, j'étais dans la salle de bain en train de me rafraîchir et puis elle m'a rejoint et puis elle est arrivée et puis voilà. Ah bah, désolé pour toi mon pote, on était bourré, on a fait une connerie. Quoi? Vous pensez que c'est Aurélie moi le délicat? Regardez-vous en train de flipper pour une histoire débile. Vous avez entendu? On a tous entendu. Par contre, il n'y a pas d'horloge ici. Qu'est-ce que ça signifie? C'est peut-être le moment de dire un mot. Mais tu crois que tu crois? Au point où on en est, il y a peu de choses auxquelles je crois. Le meurtre d'Alexis, le coffre qui s'enflamme, le fait qu'on peut même pas ouvrir la porte de la maison, si c'est des effets spéciaux, le mec est vraiment très très fort. Mais ça ne nous dit pas à quel nom choisir. Ah, on va faire simple. Dites-moi. Quoi? Mais t'es sûr, on sait pas ce qui va se passer? Il va rien se passer du tout. Au pire quoi, le détraqué qui me théorise va débarquer. Il va rien faire du tout, on va lui mettre la misère, on va l'amener à la police, ce sera réglé. Bande de tapettes. Bon, allez. James. Alors? James. Ça va? Je vous ai dit qu'il n'y avait rien. Je vous ai dit qu'il n'y avait rien passé. Prêt là. James? Il est mort, putain. Il est mort. Il est mort, putain. Il est mort.
Ça va? Bon, il est mort. Il est mort et on va devoir trouver des dispositions pour survivre à cette nuit. Sabrina, tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Tu nous as parlé d'une histoire de rôle avec deux licans. Vu qu'on en a trouvé un, il en reste un dernier. C'est ça. Y a quoi d'autre comme rôle? Il y avait... le mage, l'oracle, le tueur, le paysan et le dernier licant. Et les autres rôles? Ils sont tous aussi meurtriers? Je sais plus. Dimitri, passe-moi la feuille, celle où il y a les rôles. Tiens. Merci. Alors, si je comprends bien, nous transformons tous chacun notre tour chaque nuit. Il y a les licans qui tuent une personne par nuit. Ensuite, le mage peut décider de sauver ou non la victime que les licans viennent de tuer. L'oracle peut découvrir un rôle à l'avance. Le tueur peut décider d'éliminer quelqu'un en même temps que lui-même. Et les paysans... Non, il n'y a rien de spécial. Donc il reste un licant. Comment on fait pour s'en débarrasser? Je sais pas. Qu'il faut qu'on dise son nom. Ouais. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est tous se barricader ce soir. Chacun. Comme ça, si l'un d'entre nous se transforme, on pourra faire de mal à personne vu qu'il sera enfermé. Ouais. Et comme ça aussi, si quelqu'un défonce sa porte de l'intérieur, on saura que c'est le licant. Ouais. Et on sera libre. Si ce soir il s'avère que je suis licant, demain je veux que tu... Non, non, arrête. Mais moi je veux pas te tuer. Je veux pas te tuer non plus. Écoute, on a un plan en béton. Demain on saura qui est le licant. On le cite et on en a fini avec ce cauchemar. Et si c'est moi, tu feras quoi? Ça c'est de la faute à Dimitri. Non, dis pas ça. Je veillerai à ce qu'il t'arrive rien demain. Ok? On sortira tous les deux d'ici. En vie. Y'a quelqu'un? Pourquoi ma porte elle est ouverte? Aucune idée là! Aurélie! Moi aussi ma porte était ouverte, on avait tout bloqué non? Bah oui! Ah ouais. Aurélie! Aïmen! Aurélie, Aïmen! Aïmen! Y'a rien là! Non, Aïmen! Aurélie! Aurélie! Aïmen! Si, c'est toi, tu l'as tué!